Bienvenue dans ma cuisine pour vous parler du Bisave. Donc vous allez voir tout un tas d'utilisations du quotidien. Les fraises, oui, c'est magique. Alors je fais des lentilles d'avance, j'en récupère pour ma salade Weight Watcher, j'en garde et j'en mets sous vide pour dans 8-10 jours, pour manger avec un petit salé par exemple. Voilà, ça c'est canon, c'est ça l'organisation, c'est ça le batch cooking. Voilà, pour vous parler de Bisave, rien de mieux que de vous montrer comment je l'utilise. Voilà, donc ma salade sous vide, c'est donc des pommes qui ne noirciront pas, du saumon fumé. Ah, au fait, savez-vous que le saumon fumé pourrait se conserver au moins 3 semaines sous Bisave? Eh bien, je cuis aussi dans les récipients en verre qu'on appelle du borosilicate. Four, micro-ondes, ça c'est vraiment génial. Voilà, je reviens de course, je mets ma viande à mariner et je la mets sous vide. Regardez, la pompe est automatique, elle calcule elle-même le temps dont elle a besoin pour enlever l'oxygène. L'oxygène étant le premier ennemi de la conservation. Ah oui, le bon jambon du boucher qu'on aime tant. Eh bien, en petites tranches roulées, c'est génial. Évidemment, j'en prends quand je veux. On réutilise, on réouvre la box Bisave autant de fois qu'on le souhaite. À vous, votre époux, vos enfants, tout le monde va s'y mettre. Alors, pour les légumes frais, c'est génial. Que ce soit des petits oignons frais, d'un côté, je garde les tiges, de l'autre, les oignons. Bref, vous voyez, je les ai nettoyés, préparés et je les mets sous vide. Comme ça, ça va aller à la fois dans mes sauces, vinaigrettes, plats, crudités en tout genre. Oui, que ce soit un reste de riz, de pâtes, de pommes de terre cuites, vous allez pouvoir mettre sous vide vos féculents au même titre que vos légumes cuits ou crus. Ça, c'est top. Gagnant du temps, j'ai acheté des cordons bleus, je les mets sous vide, j'ai fait un petit coulis. Et bien pareil, je le mets sous vide, comme ça, le soir où finalement on se décide à opter pour ce menu, et bien c'est prêt, on l'a sous la main. Que ce soit de l'oignon, de l'ail ou une betterave rouge, je l'ai aussi mis sous vide, on n'a plus d'odeur dans le frigo. Vous verrez, l'étanchéité aussi, ça c'est génial, d'où l'intérêt de pouvoir se déplacer avec un récipient Bisave sous vide, au bureau, au pique-nique, chez vos enfants, voilà. Découverte universelle, parlons-en, j'adore, j'adore, il vous en faut plein parce que vous allez avoir le petit reste de mayo, le petit reste de sauce tomate, le blanc d'œuf qui vous reste sur les bras, vous voyez, et le fait d'utiliser ses propres récipients pour les 3 couvercles universels de 3 tailles différentes, ça c'est génial. Ah voilà, on envisage un barbecue, mais avec le temps et la météo, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est vendredi, est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est dimanche? Bref, voilà, je rentre de course, je mets tout sous vide. J'ai fait juste quelques étages, vous voyez, avec du papier, simplement pour séparer mes saucisses des merguez. Hein, voilà, mais j'ai tout mis sous vide, comme ça je suis tranquille et je gère mon frigo, mon barbecue, quand je veux. La coriandre, le persil, l'amande fraîche, les herbes, ça pareil, vous allez adorer mettre tout ça sous vide puisque vous allez pouvoir en disposer avec toute la fraîcheur et les vitamines dont vous avez besoin. J'ai cuit une terrine, je la mets sous vide et je la réserve pour dans quelques jours. Nous avons 3 offres pour Bisave. L'offre Premium, de loin la plus intéressante, avec 150 € de remise et en plus de quoi vous organiser, faire du batch cooking et prévoir tous les menus de la semaine. Vous avez l'offre intégrale et 8 contenants et vous avez aussi l'offre découverte. Je vous invite à contacter rapidement votre conseillère préférée. À bientôt, Sabine!